On dit merci à Wiggins Air de m'avoir gentiment envoyé cette perruque. Déjà, ils m'ont grave respecté avec le packaging, j'adore. Fait grave Hermès et tout, c'est trop beau. Donc, on va voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur, mais pour l'instant, moi j'aime beaucoup le packaging en fait. Vraiment. Alors, on a la wig bien sûr qui est bien emballée, donc avec toutes les références sur l'emballage. Mais bon, on y reviendra. Hein. On va revenir à la wig un peu plus en détail tout à l'heure. On va d'abord voir les gadgets que j'ai reçus. Donc, on a une paire de faucilles. On a également un bandeau pour une pose parfaite. On a deux pièces de HD wig cap. Voilà. Et on a un sac en satin pour conserver la perruque. Très très important. Alors concernant la perruque, donc je vous disais, elle est très bien emballée. Il y a toutes les références dessus. C'est une Body Wave HD Lace de 20 pouces, 13x4. La densité c'est 200%. Détail très important également, c'est une cap size large. Donc, faut savoir que quand vous commandez, vous avez le choix en trois tailles. Faut sélectionner en fonction de sa tête, quoi, des mesures. Je vous laisse le tableau à côté pour pouvoir faire votre choix. Moi, en fait, j'ai pas une tête si large, mais comme j'ai choisi cette taille, en fait, parce que j'ai pas toujours des nattes en bas de la wig. Déjà, j'adore ce que je vois. Déjà, franchement, j'adore ce que je vois. J'ai l'impression que tout est déjà fait, en fait, avec cette perruque. Elle est déjà customisée. Non, vraiment, il n'y a rien à dire là. Elle est déjà customisée. Regardez, c'est parfaitement réalisé. Hein. C'est trop beau la customisation. Je pense que c'est pour toutes les têtes en plus. C'est hyper, hyper bien réalisé. Oh là là, j'aime trop. Il n'y a vraiment rien à faire en fait. Regardez, il n'y a vraiment rien à faire. Ça, c'est vraiment une wig pour débutantes également. Hein. En plus, les nœuds sont déjà décolorés. Il n'y a rien à faire en fait sur cette perruque. Waouh, c'est magnifique. Franchement, en plus la qualité de la lace m'a l'air impeccable. Genre, c'est vraiment une HD lace en fait. Vraiment. Regardez, waouh. Je pense que c'est clairement la meilleure perruque que j'ai reçue. Hein. Vraiment, c'est la perruque sur laquelle il n'y a vraiment rien à faire. J'ai pas à décolorer les nœuds. Tout est déjà fait en fait, même les boucles. Bon, je vous disais que c'est une body wave. Hein. Vraiment, tout est déjà réalisé. C'est hyper bien. Vous avez un bandeau à l'arrière pour resserrer au cas où ça baille trop derrière. Mais vraiment, ils ont pensé à tout. Choqué. Thank you.
regarder. Attends, on va se calmer. Vous même regardez la qualité, regardez. C'est une véritable HD lise en fait, vraiment. Vraiment, moi en fait j'ai pas l'habitude de coller la cape en bas, donc je vais pas le faire aujourd'hui. C'est pour moi, c'est pas nécessaire, mais je veux juste que vous admiriez en fait la qualité de la lisse, s'il vous plaît. Yash! Non, moula! Sérieux, c'est la meilleure perruque que j'ai reçue. Mais c'est la meilleure perruque. Mais regardez! Mais c'est la meilleure perruque. Oh. Ah! Donc là, je vais garder le bandeau là pendant au moins 15 minutes, le temps que ça colle bien en fait la lisse à ma peau. Et puis, on se retrouve après maintenant pour découper la tulle. Mais vraiment, pour l'instant, les gars, j'ai vraiment, vraiment rien à dire, la vérité. Là, maintenant, j'hésite même entre garder la raie au milieu. Bien faire ça. Mais j'ai l'habitude en fait de... Bon, je pense que je vais garder la raie au milieu. Thank you.
À rectifier un petit peu, mais je vais remettre le bandeau encore quelques minutes pour que ça soit vraiment vraiment parfait. De rajouter un petit peu de fond de teint devant pour que la lisse puisse bien se fondre à ma peau, même si là déjà c'est pas mal hein. Mais vraiment pour perfectionner le résultat, moi je vous conseille de rajouter du fond de teint en fait. Voilà, j'ai terminé. Là, vous verrez une légère démarcation au niveau de mon front. C'est simplement parce que j'ai pas nettoyé l'excédent de colle. Donc, moi, je voyais pas ça, en fait, dans mon miroir. Et c'est au montage que je m'en suis rendu compte, donc. Mais c'est très, très facile, en fait, à rectifier. Je te conseille d'utiliser une serviette plus de l'alcool pour nettoyer. Tu verras, ça part tout de suite, tout de suite, tout de suite. N'utilise surtout pas de coton parce que ça va laisser des résidus blancs. Utilise une serviette et t'inquiète pas, ça va pas décoller la perruque en fait. Donc après tu peux rajouter en plus ton stick de contouring un peu plus foncé pour un effet encore plus naturel. Moi j'en avais plus, c'est pour ça que je l'ai pas fait, mais voilà.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous avez toutes les informations en barre d'infos. Donc, n'hésitez vraiment pas. C'est un très, très bon investissement. C'est une très, très belle perruque, une bonne perruque. Pour les débutantes, vraiment, je vous la conseille également. Si vous cherchez également une bonne perruque, vraiment un bon investissement qui va vous durer, qui est de très bonne qualité, une très bonne laisse, je vous conseille cette perruque, franchement. Donc voilà, bisous et portez-vous bien. Ciao.